Alors me voilà arrivé à Suez, enfin, juste à l'entrée du canal, qui est juste là derrière. Vraiment super heureux, je suis arrivé il y a quelques minutes et surtout heureux d'avoir fini avec cette mer rouge parce que j'ai eu toutes les difficultés. Il y avait en gros une tempête toutes les 48 heures, des cargos, des centaines de cargos, des récifs partout. Franchement, j'ai évité le drame plein de fois. Et d'être en vie là, j'ai l'impression d'avoir survécu un peu à tous les obstacles possibles et imaginables. Tous ceux que j'ai eu depuis le début du tour du monde, là, ils étaient réunis en une étape. Et voilà, puis surtout heureux d'avoir un bateau fantastique, ma louloute, qui est hyper fiable. Et bon, maintenant, j'ai beaucoup de travail ici à Suez, je suis tout seul. Voilà, il faut que j'ai cassé ma bombe, j'ai cassé mes pilotes, j'ai cassé le palan de grand voile. Voilà, des conditions rudes, une mer très courte, les bateaux, ils tapaient dans chaque vague. Franchement, j'avais l'impression que mon dos et les coques allaient se désintégrer à chaque fois. Donc voilà, la vie est belle et vive le canal de Suez maintenant!